c'est Drag Survie. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Crew 2. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le Lifetime série Miami, Terre et Mer. Donc, aujourd'hui, petite vidéo vite fait. Hier, il n'y a pas eu de vidéo parce que monsieur n'a pas voulu tourner. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'overmedia ne voulait pas s'allumer. J'ai rebranché, débranché, tout remis à zéro. Je ne sais pas ce qui s'est passé. OBS était en mise à jour, ça m'a mis des heures et des heures. Je pense qu'il y a dû y avoir un petit bug au niveau du son aussi parce que j'avais plus de son. Alors, faut dire que le PC n'est plus tout jeune, donc j'espère que je vais pas avoir de problème ou quoi que ce soit sur les vidéos ou quoi que ce soit. Donc c'est parti pour le petit machin, la petite série. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Ce soir, comme vous le savez, ce soir, live sur Skyrim et sur The Crew et sur Fortnite. On finira sur du Fortnite. Voilà, on fera une petite game sur Fortnite tous ensemble. Donc voilà. Alors, moi, j'ai plus de son. Donc, c'est bateau, terre, mer... j'espère que je vais pas être trop nul parce que je sais que ma voiture n'est pas si puissante que ça au niveau tout terrain et puis aussi rapide au niveau de la vitesse. Donc j'espère que ça sera pas trop dégueulasse et j'espère que ça va pas trop bugger ou quoi que ce soit parce que sinon on va avoir des soucis. Ce soir on sera sur aussi The Crew. Pour spécialement le live soumis, par contre, ça sera le live soumis à part si il n'y a pas eu les mises, la mise, la deuxième partie. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Donc j'espère que vous allez bien. Ça va, c'est le bateau en premier. Sans surprise, notre star se propulse à la première place. Qui sera capable de le rattraper? Wow. Alors le bateau, je peux avoir encore un peu d'avance parce que bon, le bateau, j'ai l'habitude. Allez, on sort de l'eau et on se sèche à toute vitesse. J'ai l'habitude encore avec le bateau, mais c'est vrai qu'avec les autres voitures, voilà, par exemple celle-là, je sais que je suis pas très rapide, donc il va falloir que je mette un peu plus de, qu'il va falloir que je fasse attention au tournant, que je fasse. Putain, c'est quand même stylé hein, ce qu'ils ont fait quand même. Pas dans l'eau, pas dans l'eau, pas dans l'eau. Pas dans l'eau. Si je vais dans l'eau, je coule. C'est pas un bateau, hein, Drac. Faut arrêter de jouer au petit bateau. C'est vrai qu'on a oublié quelques bibelots sur la plage. J'espère que nos pilotes sauront les éviter efficacement. J'en fous les bibelots. C'est pas des tableaux qui vaut 4 millions de l'heure. Je remercie aussi à ceux qui viennent d'arriver dans la compagnie du dragon. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'abonnés qui étaient arrivés. Donc je vous souhaite la bienvenue. Et puis j'espère que mes petites vidéos vous plairont. Je ne suis pas de la qualité, je ne suis pas un grand youtubeur, mais j'essaie de faire de mon mieux, on va dire. Par contre, c'est super stylé ce qu'ils ont fait avec
Avec l'eau, quand vous voyez que le truc revient. C'est vraiment stylé. C'est très stylé. Ah, bah non, ça va. Normalement, je devrais avoir assez de vitesse. C'est ma plus rapide. Mais bon, comme dirait l'autre, ça sert. On a eu notre mer, on a eu notre terre, et maintenant on Normalement, se ça devait être de dessert. la ligne La droite. vitesse. Pas trop de tournant, normalement, avec ces bagnoles-là. Mais bon, ça peut changer entre-temps. Oubliez les écureuils et les ratons laveurs. À Miami, la faune locale est surtout composée d'alligators qui ont élu domicile dans ces voies navigables. Alors, si vous venez à Miami avec votre chien, assurez-vous de bien le tenir en laisse. Oh, normalement, je gagne les doigts dans le nez, mais bon, un truc de travers, c'est Voici les facilement à feux se miliciens, retourner un ou à archipel partir dans le d'identifiés situé décor ou dans de la louper un baie. tournant ou Connecté un par truc un comme pont ça. construit en Et ça, c'est partie pour vraiment dommage accumuler parce des que c'est vrai sports que d'endurance, car j'ai c'est des souvent chiens. que. Je Bon, là, j'ai suis changé celui de qui aurait câble parce que adoré j'avais mon assister à câble cette superbe qui épreuve. déconnait au niveau de ma manette. Parce qu'en temps normal, c'est une manette sans fil, mais vu qu'il y a des petits problèmes de pile, faut que je la branche. Pilote entame le dernier tronçon vers la ligne d'arrivée. Ne clignez pas des yeux, mes chers amis. Avec ces hypercars capables Il d'atteindre cligne la pas des vitesse de yeux, mon. 450 Oups, je suis parti dans km/h, le déco. ils la franchiront avant même que vous vous en rendiez compte. Voilà, ça c'est une grosse connerie, ça. Harry, oh bah. Et là, tu freines un grand coup. Et voilà, t'as passé la ligne d'arrivée à 2 km/h. Voilà. Genre, ils sont juste derrière. Tu sais, tu leur as mis une super longueur d'avance. Non, clairement, je pense que. Bon, je me suis amélioré en niveau bateau, tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même pas si facile au long terme. Au niveau bateau, le bateau, il est pas si facile que ça. Après, c'est vrai qu'au niveau vitesse de voiture, j'ai quand même beaucoup plus l'habitude. J'ai quand même beaucoup plus l'habitude au niveau de l'accélération de certaines bagnoles. Par exemple, la voiture au niveau de la vie, bah, au niveau grande route, j'ai quand même plus l'habitude. C'est vrai qu'après, il y a pas mal de petites choses. Par exemple, je sais qu'il y a le mode hors bord, donc on va dire le petit mode qui fait que ça fait un peu comme un, comment je pourrais vous dire. Un aéroglisseur, et c'est vrai que ce mode d'aéroglisseur est complètement pété saison 2. Donc voilà, on a passé la saison 1. Bon, j'ai pas fait grand chose de la saison 2, de la saison 1, mais voilà, là apparemment ça a l'air un peu plus chaotique, on va dire. Mais voilà, c'est donc je sais pas si je vais gagner grand chose, je sais pas ce qu'ils vont proposer. On va regarder ça ensemble. Alors, voyons voir ce qu'il propose. Ok, alors toujours du premium, obtenir le premium. Ok, il y a pas mal de trucs. Ouais, donc, ouais, d'accord. T'as juste 2-3 trucs si t'achètes le premium. Et combien il coûte le premium, monsieur l'agent? Bon, je pense assez cher comme ça, mais bon, faut faire avec, on va dire. Et on va se quitter sur ça. Normalement, le premium prend fin dans 55 jours. Voir le premium. Alors on a le premium avec 25%. Le truc c'est que c'est des trucs bleus, mais les trucs bleus c'est tu y gagnes pas de trop quoi. Après je verrai, peut-être que je me le prendrai peut-être plus tard, je verrai. Alors voyons voir ce qu'on a gagné. Alors apparemment c'est pas sur cette bagnole, c'est sur celle-ci et c'est plutôt cool.
Hop, hop. Donc ça c'est fait. Le pilote. Le pilote, il a gagné quoi, le pilote? Le pilote, il a gagné quoi? Alors, on va gagner dans la richesse quand même, hein. N'empêche, j'avance bien, hein. C'est... Là, il n'y a rien. Bon. Là, il n'y a rien. Donc, voyons voir. Donc, je disais, donc, aéroglisseur, tout ce qui est aéroglisseur et donc hors bord un peu dégueulasse, vous savez, les petits machins quoi. Donc là par exemple, normalement là c'est juste bah tiens, il y a aéroglisseur qui est en dernier et clairement faut vraiment être devant parce que moi qui ai pas l'habitude du truc, c'est vraiment chaud. Après il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Là il y a le petit hors-bord en dernier. Alors bon, les premières voitures, je peux avoir de l'avantage. Mais clairement, c'est chaud patate. Super chaud patate. Puis après, bah, c'est au fil du truc. Hein. Clairement, j'ai bientôt fini les trucs un peu à droite à gauche. J'essaye de finir les trucs comme. Bah tiens, on va faire un. Ouais, non, on va pas faire d'hypercar ensemble. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que clairement, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Surtout que ce soir, il y a live. Donc, j'ai pas envie voilà, de faire du surplus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je continue dans cette lancée, de vous faire par exemple des trucs comme ça. Par exemple, on se dit, tiens, on fait trois courses. Et sur les trois courses, on arrête. Et après, par exemple, on fait autre chose. Ou voilà, à voir. Donc en live, je vais vite faire en parler vite fait. En live ce soir, donc Skyrim, The Crew, Fortnite. Skyrim, on va continuer notre aventure. Donc on va prendre la mission secondaire, la mission principale. Et on va aussi essayer d'avancer pour trouver 2-3 trucs un peu à droite à gauche. Je vais essayer de taper un peu de sprint quand même parce que là clairement on était dans les grottes sur le dernier live. Donc on va voir ça. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire le nécessaire et on se dit à la prochaine.